J'espère que vous allez bien. Ce mois de décembre, c'est un beau mois, c'est un mois festif, c'est le mois de mon anniversaire. Et aujourd'hui, je vous propose un make-up et une coiffure pour les fêtes. J'espère que vous allez apprécier. Le tuto vient juste après. Restez connectés si ça vous intéresse. Je vais réaliser une coiffure pour les fêtes. C'est une coiffure assez simple qu'on a déjà vue pas mal sur la toile des nappies, mais j'aime bien cette coiffure. Je réserve en haut pour faire mon sort de pompadour, pompon. Avec le reste des cheveux, je vais réaliser un puff. Un sort de puff parce que mes cheveux sont courts. Donc je prends un morceau de collant que j'ai coupé. Et là, je vais faire deux nœuds en haut. Donc, je fais un premier et je tire vers l'arrière au fur et à mesure. Voilà. Comme mes cheveux en bas, c'est très très court, je ne resserre pas plus. Je fais un deuxième nœud. Les cheveux sur les côtés ressortent un peu, mais c'est pas grave, je vais arranger tout ça. Je fais mon pompadour, donc moi je le fais comme ça, c'est assez simple, hein. Je prends le bout des cheveux et je le replie. Je fixe le tout avec des épingles. Voilà. Et là, il faut que je fasse rentrer les petits bouts de mon élastique. Et là, je tire un peu mes cheveux. Je vais tricher, je vais prendre des mèches afro kinky et je vais rajouter un peu de volume entre les deux. Alors là, je roule comme ça la mèche. Et je vais rajouter du volume là. Je vais m'occuper des cheveux sur le côté. Je les prends, en général je les roule un peu. Une fois que j'ai arrangé les côtés, je prends un spray ou on peut prendre un vaporisateur et j'humidifie un peu mes chichis. Alors j'humidifie mes chichis pour pouvoir mettre du gel. Ça colle mieux quand on humidifie un tout petit peu les cheveux et après j'applique le gel Edge Control. Et au pire, si on ne veut pas rajouter de l'eau sur nos cheveux pour tout ce qui est devant, je mouille directement ma brosse à dents. En général, je me coiffe avant de me maquiller, comme ça, ça me permet de bien plaquer mes cheveux. Voilà, mes cheveux sont plaqués. J'attrape mon foulard et je plaque le tout. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante. Je viens appliquer le Milk of Magnesia sur principalement mes parties T et sur mes joues un petit peu parce qu'elles ont tendance à briller. J'attends un petit peu que ça sèche. Une fois que mon Milk of Magnesia a séché, j'applique ma brume fixante, rafraîchissante de chez MAC. Je viens faire mon teint avec le fond de teint Makeup Forever HD et ma mousse Beauty Blender. J'applique directement mon fond de teint sur l'éponge et là je viens tapoter. Je tapote. Je rajoute un tout petit peu de fond de teint. Je viens tapoter aux endroits où c'est un peu plus taché. Ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est qu'on peut le réguler. C'est-à-dire que si on veut peu de couvrance, on met un tout petit peu de fond de teint. Et si on veut une couvrance un peu plus prononcée, on peut rajouter une autre couche. J'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il se fond bien avec la peau. Et elle est facile d'utilisation avec l'éponge.
Je viens faire mes sourcils avec le crayon de chez Emma. Donc, une petite brosse et le crayon. Je crois que c'est la teinte numéro 2. J'applique du gel toujours de chez Emma pour éviter que mes sourcils ne bougent parce que j'ai des sourcils assez longs. Je prélève cette couleur de la palette correcteur de chez Blackup et je viens contourner mes sourcils. Je viens estomper la matière que j'ai appliquée au ras des sourcils avec mon fond de teint, toujours avec le bout de l'éponge. Maintenant, je viens travailler mes cernes avec l'anti-cerne de chez MAC en teinte NC50. J'applique l'anti-cerne jusqu'au bord des lèvres pour un peu illuminer cette zone qui, des fois, a tendance à être sombre. Là, je vais contourner mon visage avec le stick numéro 3 de chez Blackup. Je prends mon pinceau de chez Blackup, encore une fois, c'est le pinceau pour le fond de teint et je viens estomper la couleur foncée. J'applique la couleur foncée jusqu'au milieu de ma joue, pas jusque près de ma bouche. Juste avant d'estomper la partie claire, je viens appliquer un peu de spray. Pourquoi j'utilise l'éponge mouillée pour estomper cette matière? C'est parce qu'elle est très épaisse et je préfère la travailler légèrement mouillée parce que ça apporte un fini beaucoup plus fin. Je n'aime pas trop illuminer mon front, vraiment juste là. Mais pas plus. Je rajoute un tout petit peu sous les yeux parce que je trouve que c'est pas assez lumineux. J'aime bien quand c'est bien lumineux en dessous de mes yeux. Avec le reste de produit qu'il y a sur mon éponge, j'applique un tout petit peu à la limite de ma mâchoire. J'ai quelques pratiques un peu bizarres où on va dire que je mélange des choses pour avoir un résultat. Donc j'ai une banana powder qui est un petit peu trop claire et j'ai deux poudres de teint. Donc ce que j'ai fait, je vous montre, j'ai mis de la banana powder avec ma poudre de teint et ça me donne la teinte parfaite qu'il faut mettre juste en dessous des yeux pour les cernes, pour pouvoir poudrer le tout. J'utilise un pinceau de Real Technique. Ma poudre Blackup, c'est la numéro 2. Et ma banana powder que je voulais continuer à utiliser, c'est la Benive, qui est un petit peu trop claire pour moi. S'il faudrait que je rachète, ce serait la Topaz ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc en fait, moi, je mélange les deux. Et après, je viens appliquer sur la partie claire. Comme on dit, débrouillard pas péché. Je n'exagère pas sur la poudre. Je sais que je vais estomper après, mais je ne mets pas une tonne de poudre. Je prends mon fard Infinity de chez Kiko et j'applique avec le pinceau brush 159 de chez Emma. Donc je poudre les parties foncées. Le 227 de chez Zoeva. Et je viens poudrer je prends mon pinceau poudre qui a un tout petit peu de poudre et là je viens blender le tout. J'applique ma base Urban Decay pour les paupières. Je viens mettre du scotch sur le côté pour ne pas déborder. Je prends mon crayon noir de la marque Europe Cosmetics. Ça fait tellement longtemps que j'ai ce crayon-là. Et je viens appliquer sur ma paupière mobile.
aussi en bas. Je prends mon pinceau Zoeva 231 et je viens stocker jusqu'au milieu de ma paupière. Fard à paupières de chez Réserve Naturelle. C'est un noir bien mat et bien foncé. Et toujours avec le même pinceau, je viens appliquer la matière. Donc je tapote. Je tapote et je tapote. Ne faites pas comme moi. Ne mettez pas trop à l'intérieur de l'œil parce que j'ai débordé un peu. Et je vais rectifier ça à la fin, mais bon. Au mieux ne pas trop déborder pour ne pas rectifier trop de choses après. Je viens prendre le fard violet de ma palette Mariolo. C'est un violet mat. On aurait dit qu'il a de toutes petites paillettes. Et je viens l'appliquer juste au-dessus de mon noir. Pour ma palette Sleek, je viens prendre la couleur rose et j'applique au même endroit que le violet. C'est pour intensifier la couleur parce que la couleur violet de ma palette Mariolo n'était pas assez intense. Et là, je viens intensifier encore le noir avec le même pinceau que tout à l'heure là. Je viens estomper avec le pinceau que j'ai appliqué la couleur rose et bleu. Je viens fondre les deux. J'applique la couleur semi-sweet juste en haut de ma paupière. Salted caramel de ma chocolate bar. Celle-là. Sur l'arcade sourcilière. Je viens rectifier avec du correcteur mes bêtises. J'ai rectifié mes bêtises. L'intérieur est nickel. On va mettre une petite couleur dorée. Celle-là. C'est le 237 de chez Zoeva. L'avantage de mettre un fard noir, c'est que si on n'aime pas ce qu'on a fait, on a juste à remettre du noir. Je reprends mon pinceau plat que j'avais mis à matière noire et je viens mettre un peu de noir pour aller ici. Je viens prendre mon crayon Sleek noir et j'applique un peu. J'applique mon mascara Wing Lash. J'enlève mes sparadraps. Voyons voir le résultat. Il faut estomper un peu la matière. Mais bon, j'ai mon ami le correcteur qui va m'aider. Oui, je sais, ça fait beaucoup de correcteurs. Mais quand on n'est pas super... on n'est pas super fort, là, on rattrape le tout avec un peu de correcteur. Et surtout quand on veut un résultat net. On corrige avec le correcteur. Ça s'appelle bien un correcteur. C'est pas pour nous. Voilà pour les yeux. Je vais mettre un peu de fard à jour, un peu d'highlighter pour illuminer tout ça. Je prends ma palette de Sleek. Donc c'est la couleur Bordeaux. Que j'applique. Je viens appliquer un peu
d'highlight de cette palette. Je vais prendre un fard à paupières de chez Kiko qui me sert d'highlighter. Donc c'est le 208. C'est un joli doré. Et là, j'applique encore au niveau des coulées. J'en applique aussi au niveau du nez. Un tout petit peu au niveau du front, au niveau de la bouche. Du menton. J'ajoute un tout petit peu de doré en dessous de mon sourcil. Vraiment petite touche. J'applique un crayon marron qui est légèrement plus foncé que mes lèvres en contour. Je viens prendre mon rouge édition Velvet de chez Bourjois en teinte numéro 10. Comme c'est les fêtes, j'ai envie d'abuser un peu de d'highlight. Donc je vais encore ajouter de l'highlight au niveau de mes yeux en point interne. Donc je vais prendre mon fard à paupières très très lumineux et je vais encore en rajouter, parce qu'en fait j'ai fait des yeux très marqués, une bouche assez nude et il faut marquer le coup. Un tout petit peu plus sur le nez. Je veux pas faire sapin de Noël, mais je veux bien marquer le coup. C'est le fait. Il faut mettre les choses de l'autre côté. Je rajoute encore une petite couche de mascara sur mes cils. Cette fois-ci, je prends le volume Million Flash de chez L'Oréal. Et hop, j'applique encore une dernière couche. Voilà le résultat. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bonne fête. Bye bye. Je vous dis un secret, si vous n'êtes pas au courant, les cheveux crépus, c'est l'un des cheveux où on peut faire le plus de choses possibles. Si vous avez les cheveux crépus, vous avez un truc dans, vous avez un truc dans les mains là, vous savez même pas les choses incroyables que vous pouvez faire avec vos cheveux crépus. Regardez, mes cheveux sont crépus. Est-ce que vous trouvez que c'est moche? Hein? Est-ce que vous trouvez que c'est moche mes cheveux? Dites-moi, hein? Toi qui regardes ma vidéo, tu trouves mes cheveux moches? Je vais te montrer tout ce que j'arrive à faire avec mes cheveux. Mes cheveux crépus là, 00, je suis nègre. En tout cas, je suis fière.